Les Aeon loyalistes ont infiltré l'ordre il y a maintenant un an. Leur action nous a fourni des renseignements très importants et a également permis de propager la parole et les idées de la princesse. Cependant, l'appareil loyaliste tout entier court à présent un grand danger. L'IAQ utilise Copernic comme base pour lancer des attaques dans l'espace de la Coalition. Dans un effort pour réduire ces attaques, un groupe loyaliste a lancé une opération secrète contre la position de l'IAQ. L'opération a été un échec. L'IAQ était au courant de l'attaque et a capturé 3 chefs loyalistes. D'après de précédentes OP, nous savons que l'IAQ va leur implanter une neuropuce. Si cela se produit, tout notre réseau clandestin sera en grave péril. L'importance de cette opération ne doit pas être sous-estimée, Commandeur. Il est évident que nos protocoles de sécurité ont été percés. Sinon, comment nos ennemis auraient-ils pu découvrir l'emplacement secret de Fort Clark et nos actions clandestines sur cette planète? Ce problème doit être réglé avant que la situation ne dégénère. Les loyalistes opèrent toujours sur la planète. Mais ils n'ont pas pu lancer de mission de sauvetage. Vous débarquerez ici, renforcerez leur position, puis tenterez de libérer les chefs détenus par l'IAQ. Une fois les chefs en sécurité, vous détruirez la base de l'IAQ. Cette machine malfaisante est secondée par un commandeur de l'ordre nommé Sélène. Elle était autrefois loyale à la princesse, mais elle a succombé aux mensonges de Kay. Une espionne loyaliste nommée Talia sera votre agent de liaison. Elle aura d'autres renseignements à vous fournir à votre arrivée. Partez, immédiatement. Attention, commandeur, et bonne chasse. Sélène lance des attaques contre les loyalistes, il faut la repousser. Allez, rock'n'roll, j'ai terminé. Champion, c'est un véritable honneur. Nous sommes attaqués par les forces de Sélène. Repoussez-les et faites-leur mordre la poussière. Gloire à la princesse! Vous avez entendu la dame. QG terminé. Alors, déjà, ça suffit. Vous allez vous calmer immédiatement! Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Et que tout le monde, c'est Crash FM Paradise FR, on est reparti pour la mission 2, opération Aube de Forge Alliance en difficulté supérieure. Ah, regardez comment ils sont. Comment ils détruisent. Suppliez-moi à genoux. Allez. Regarde-toi, Sélène, je pense. En fait, tu as des problèmes personnels. Système activé. Le scanner indique qu'il ne reste aucun ennemi dans la zone. Merci, commandeur. Allez. Commandeur, attaquez et détruisez la base de l'ordre située à l'est. Talia, terminé. Allez, cette fois, c'est parti.
pour vous montrer que je suis assez courageux comme tout. Enfin, aussi fort, hein. Mes ingénieurs de défense. J'ai repéré une usine de ressources de l'ordre au nord-est de votre position. Elle alimente les boucliers de la base de Selene. Détruisez cette base et ses générateurs. Talia, terminé. Les loyalistes sont peut-être plus doués qu'ils en ont l'air. Ces générateurs alimentent les boucliers de la base principale de Selene. Détruisez les générateurs et adieu les boucliers. QG terminé. Allez, on pourra mettre maintenant le bouclier. Pas énormément de bouclier. Les nouveaux items dans ce train de commentaires restent à venir. Sont à vous. Faites-en bon usage et couvrez la princesse de gloire. Bravo.
construire maintenant parce que c'est les attaques sont très trop lourdement défendues. Attendez. Je pense que... Avions-leur, il consiste à trois types de sous-avions. Il consiste à un système de brouillage, radar et sonar. Donc on va tester ça. Plus chasseur de combat, c'est très important. Plus de bombardier tactique, c'est très important ici. Hop, voilà. Avoir un chasseur de super priorité et plus un bombardier, c'est pas difficile. Et comme vous voyez, vous avez donc un transport aérien lourd qui consiste à attaquer les systèmes anti-aériens, un dôme bouclier et un transport. Alors, ce que je vous propose également, c'est qu'on va effacer ça. De mettre de côté. Regardez, ils en arrivent de partout là. On va également se dépêcher en fait. Ça. Quand vos amis auront parlé, rien ne nous arrêtera. Je purgerai moi-même cette galaxie. Alors, on va se calmer dans une pointe de défense, car on va se calmer tout de suite maintenant là. Enfin, ça va mal aller, je trouve. Hein. Dans la difficulté difficile, hein?
ça que j'en profite également de tout attaquer de tous les côtés. Allez, maintenant je vais installer donc ici. Voilà. Et je crois qu'on peut installer les fabricateurs de masse. Et plus un générateur d'énergie. Voilà. Je vais faire comme ça. Ce serait plus... ce serait quand même plus... plus accueillant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et vous allez donc installer un champ de furtivité. Champ de furtivité personnelle. Pardon. En attendant, commandeur, c'est à toi que je t'adresse. Tu dois comprendre ça. Vite. Ah, heureusement que les ingénieurs ont un bouclier.
Et vous allez voir, il va y avoir une pointe de défense lourde, alias Ion. C'est un tir d'un colosse galactique. Pour ceux qui ne savent pas. Mais qui consiste à attaquer des unités aériennes, je pense. Écoutez, ça a été rapide. Hein. Voici les ingénieurs de T3 qui sont prêts, bien rapidement. Voilà. En pierre. Qui consiste à attaquer... à attaquer des unités aériennes. Ok, maintenant, vous allez construire donc des fabrications de masse 5. Ou alors on leur attend. Attendez deux secondes. Je vais réfléchir. Le mec qui vient quoi. Ok. Bon, allez, installe donc ça, plus ça, et plus ça. Ah oui, pareil, hein. Pas mal. Pas mal. Et vous allez également construire et l'autre là, il construit tout seul lui. Allez, bon, cette fois, je vais installer un lance-missile anti-aérien.
Parce que c'est comme ça qu'on devrait. Qu'on devrait se taire aux autres. Je n'ose pas le dire. Là, ici, ici, et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Ouais, c'est tout. Et... vous trois, vous allez donc voilà. Ça va faire loin. Non. D'abord la porte quantique. Porte quantique. Voilà. Ça, ça fait un peu plus stylé, hein. En fait, les stochastes, ça permet de... ça permet honnêtement de se connecter à... aux ressources, c'est-à-dire tout ce qui est les stockages d'énergie, il peut se connecter au générateur d'énergie et plus des stockages de masse qui peut se connecter donc soit les extracteurs de masse, soit les fabricateurs de masse qui se connectent. Je vais voir tout à l'heure. Allez, je crois que là, ça devrait suffire. Alors non, quoique... tiens, installe le bouclier. Pardon, installe le bouclier. Paquets qui sont en train de générer là.
autres, vous allez donc construire la défense. Non, construis donc ça. Allez, je crois que la partie 1 de la mission de Opération Oba s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous surtout. Et on se retrouve bientôt pour de la partie 2. On va s'attaquer maintenant à détruire ces installations. Oui, où il... Oui, il fait de la génération bouclier. Et donc, dès qu'il sera détruit, les boucliers seront désactivés. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !